Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch et c'est une vidéo qui va répondre à une question qui m'a été posée il y a une petite heure Michael. Bonjour, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, as-tu fait une vidéo sur quelle île choisir en fonction de l'autre? Quelle île s'accorde avec Ana, avec Lucio ou Ange pour avoir un bon île dans l'ensemble? Sinon, pourrais-tu en faire une vidéo et expliquer? Je te remercie au passage, top les vidéos. Et ben, on va essayer d'y répondre, c'est vrai que j'ai pas forcément fait cette vidéo, mais c'est quelque chose, c'est une question que je peux largement répondre, dû au fait d'avoir casté quelques matchs, enfin pas mal de matchs d'Overwatch League, et puis surtout d'avoir fait énormément de solo queue sur Overwatch 1 et sur Overwatch 2. Quelle île s'accorde? Alors on sera pas forcément comme d'habitude, hein, c'est un peu comme une tier list, donc ça on sera pas forcément tous d'accord, mais on va essayer de voir ensemble. Donc tout d'abord on commence avec Ana. Alors Ana, c'est comme je le dis souvent, c'est l'un des îles les plus difficiles à jouer du jeu, mais c'est l'un des plus forts, hein. Elle peut anti-heal, elle peut sleep. C'est un perso qui soigne généralement facilement, une fois qu'on la maîtrise, ça heal vraiment beaucoup. C'est plutôt un personnage qui soigne et ensuite, quasiment collé, doit anti-heal et doit sleep. Donc là, c'est les trois rôles que vous devez faire en principal. Et ensuite, vous allez arriver à un petit peu DPS. Et donc, c'est un personnage qui est plus tourné vers le heal que vers le DPS. C'est ce qu'on appelle un main healer, je trouve. Donc, elle synergise. Est-ce qu'elle synergise très bien avec Baptiste? Bah, on peut tout à fait le faire, c'est largement viable. Est-ce que vous le verrez beaucoup, Ana plus Baptiste en Overwatch League? Non, vous le verrez jamais, puisqu'ils ont un peu tout simplement le même rôle. Donc, on peut tout à fait le voir, mais c'est pas forcément quelque chose qui va se faire. Mais sachez que si on réfléchit, pour de la solo queue, avoir un sleep, un anti-heal, un immortality field, une matrice, le pshit qui heal de zone, c'est juste que les heals risquent un petit peu s'entrecouper. Il faut vraiment que si tu veux jouer Baptiste avec une Ana et que tu vois que la Ana soigne beaucoup, qu'elle est plus tournée vers le heal que vers le DPS, ça toujours c'est très important de le comprendre. Il faut dire que cette vidéo va vous expliquer les bases, mais après ça dépend comment le joueur joue. Vous pourrez trouver, même à Baello, des gens qui ont assimilé qu'avec Ana, il faut qu'il soit impactant, et ils vont commencer à taper et ils risquent d'un peu se perdre et de moins heal. Donc si c'est le cas, avec votre Baptiste, vous jouez un peu plus healer que DPS. Mais à l'inverse, Baptiste, c'est un très très bon, il a une bonne arme avant l'arme d'Hilary. Je trouve que c'était Baptiste qui avait le meilleur DPS, pas le meilleur burst, parce que le meilleur burst, c'est sans doute Zenyatta ou Kiriko, mais le meilleur DPS, damage par seconde, hein, sur une moyenne de 10 minutes, qui peut faire le plus mal, je pense que c'était Baptiste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Hilary, mais Baptiste était vraiment pas mal. Donc, si vous voyez que votre Ana heal beaucoup, vous pouvez jouer, et que vous avez absolument envie de jouer Baptiste, c'est tout à fait possible, mais il va falloir jouer votre Baptiste plus agressif. Ensuite, on a Brigitte. Alors, Brigitte, c'est carrément le combo d'Overwatch League, donc on ne peut pas dire que c'est mauvais. Est-ce que je le conseille? Oui, c'est tout à fait possible. Brigitte est un bon support. C'est un bon support, c'est-à-dire qu'elle va quand même essayer de DPS et elle peut bien protéger sa Ana. Donc, c'est pour ça que c'était joué en Overwatch League. On jouait ça dans une compo dive, c'est-à-dire qu'on va laisser Ana et Brigitte se démerder toutes les deux et on va ensuite avoir le Winston qui va sauter, le Doom qui va sauter en avant sur la backline adverse, hein, donc l'équivalent d'Ana et Brigitte mais de l'autre côté, accompagné de Tracer et son bras, et voilà, ils vont essayer de les tuer toutes les deux, donc le but c'est de survivre, donc ça marche très très bien. Alors dans quel type de compo on va jouer Ana plus Brigitte? Dans une compo où on a derrière quelque chose qui soit une dive, soit une rush, mais on va pas trop jouer une POC avec une Brigitte, hein. Brigitte elle se fait un peu chier dans la POC, donc voilà. Brigitte ça synergise très très bien. Kiriko, Kiriko synergise également très 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 bien. Pourquoi? Parce que Kiriko c'est un support, enfin c'est un personnage qui peut être joué, on le verra quand on parlera de Kiriko en main, mais elle peut être jouée avec Lucio par exemple. Elle peut très très bien s'en sortir, elle peut être jouée en main healer Kiriko. Mais quand tu joueras avec une Ana, une Kiriko, tu vas plutôt essayer de jouer agressif, hein. Le but c'est vraiment de vraiment lancer un kunai au Fuda ou parfois suivre ton flanqueur, voilà, tu peux essayer d'aller avec lui, tu n'es pas obligé d'être derrière le tank, c'est plutôt Ana qui va s'en occuper. Donc Kiriko, quand elle est jouée avec Ana, je vérifie, vu que c'est mon main, hein, Kiriko, je vérifie tout de suite si la Ana est quelqu'un qui est chaud au niveau du heal, si tout se passe bien,
Alors, elle va me foutre une tollée au heal, mais on s'en fout. Hein. Le but avec Makiriko, ça sera d'essayer d'aller chercher des kills, chercher des têtes, etc. Et d'apporter un heal en secondaire. Quand je vois que mon équipe souffre beaucoup, c'est là que je repasse en heal bot. Mais Kiriko avec Ana, c'est plutôt un perso qui va être joué en support. Et donc, on va essayer de DPS le maximum. Donc, un peu dans la même catégorie que Baptiste. C'est-à-dire que si vous voyez que votre Ana soigne beaucoup avec Kiriko, vous tapez. Lucio. Lucio Ana, pourquoi pas. Lucio Ana, pourquoi pas. Est-ce que c'est peut-être un peu en dessous. Voilà, je préfère Lucio Baptiste, par exemple. Ou Lucio Kiriko. Mais Lucio Ana, c'est très bien. Si, Lucio Ana, ça se jouera si tu as un Reinhardt dans ta compo. Parce que Lucio va synergiser avec ton Reinhardt pour lui donner de la mobilité. Alors, Reinhardt, Ramattra, Junker Queen, hein, ce que vous voulez. Un personnage de rush, un tank de rush, c'est-à-dire un tank qui peut avoir envie d'aller de c'est pas si tu sautes, mais c'est tu fonces vers l'ennemi, et ça bah, Lucio apporte beaucoup d'aide à Reinhardt pour ça. Donc voilà, voilou. Donc tu vas jouer ta Ana avec Lucio parce que tu nano le Reinhardt, ou tu nano le Genji, ou tu nano je sais pas, voilà ce que tu veux, mais voilà, Lucio tout à fait envisageable. De toute façon, c'est l'un des meilleurs supports du jeu, donc il synergise avec Ana autant qu'avec les autres. Ange. Alors Ange, je la mettrai aussi en A. En fait, je trouve qu'il n'y a rien qui synergise mal avec Ana. Hein. De toute façon, pour faire un dessin, Ana, c'est de toute façon un personnage qui se suffit à lui-même. C'est juste que bah, c'est parfois difficile de survivre tout seul, mais si tu joues parfaitement ta Ana, tu t'en sortiras. Merci, avec Ana. Pourquoi pas, avec une écho, avec une Pharah, ça fonctionne. Quand tu joues avec une Mercy, tu auras plutôt tendance à essayer de voir si c'est une Mercy qui heal beaucoup, si c'est une Mercy qui booste beaucoup. Donc, à Baello, en général, les Mercy heal beaucoup, et à Oelo, les Mercy boostent beaucoup, parce qu'elles ont compris que l'autre healer va faire le taf. Donc, elles vont peu heal, et elles vont plutôt essayer de booster, pour essayer d'avoir plus de dégâts, donc de plus de kills. Moira, c'est le seul personnage pour le moment que j'ai pas du tout envie de mettre en A. Je trouve que ça synergise mal, Ana Moira. Alors c'est pas impossible de jouer, mais ça synergise mal. Moira, elle remplace le boulot d'Ana en théorie dans les compos rush. C'est-à-dire quand on a vraiment envie de rush, ou dans les compos. Voilà, c'est quand on veut un heal qui a envie de survivre et qui peut suivre le reste de la compo. Ana, c'est quand même un personnage qui va rester généralement derrière. Alors on peut jouer Ana semi-cac, etc. Mais c'est quand même assez rare. On va plutôt jouer Ana derrière. Donc Moira, c'est plus un personnage qui va pouvoir se mettre juste derrière son Reaper, sa Mei et son Ramattra, et les heals en même temps, les trois en même temps, et voilà, et pouvoir les suivre. Alors qu'Ana, elle peut pas faire ça. Donc Ana et Moira synergisent pas trop ensemble. Bien sûr, tout à fait possible, vous êtes à Baello, vous aimez Moira, il y a une Ana, vous pouvez jouer avec, mais c'est juste que vous verrez rarement une game d'Overwatch League avec Ana Moira, ou une game en GM Master avec Ana Moira, à moins que le joueur, ça soit vraiment quelqu'un qui dit bah, les BDPS sont nuls, donc je vais prendre Moira, ce qui arrive. Hein. Vous verrez souvent des gens swap Moira à Oelo quand ils en auront le cul, même à AO. Ou à Baello d'ailleurs. On va dire qu'en dessous de Master, c'est très souvent le cas. Et même dans des Game Master, j'ai vu des gens swap Moira parce qu'ils en avaient ras le cul de leur DPS. Mais c'est pas une synergie si incroyable que ça. On va pas nano une Moira, c'est pas folichon quoi. Zenyatu. Je pense que Moira, je vais la mettre là. Zenyatu, ça passe avec Ana largement. Par contre, il va falloir que vous protégiez votre Zenyatu. Mais faut vraiment comprendre que là, faut que vous ayez une Ana qui soit pas du tout tourné dans le DPS, ou pas trop, juste sa grenade de heal et puis parfois un ou deux shots, mais faut vraiment pas que ça soit une Ana qui essaye de finir à 3, 4, 5 000, 6 000 de DPS. Faut vraiment que là vous ayez une Ana qui soit tournée vers le heal, et faut que vous la protégiez, comme ça elle vous protège aussi. Donc Zenyatta, Ana, ça marche très très bien, pourquoi pas. Vital, Ana. Alors Vital, Ana, je vais le mettre un petit peu en dessous. Parce que Vital, c'est vraiment joué comme un healbot. Hein. C'est vraiment très 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 peu de DPS, hein, Vital. Ça va être, ça peut faire 1500, 2000, mais ça fera jamais comme une Inari 7, 8, 9000 de dégâts, ou un Baptiste. Et puis surtout, c'est pas du burst, donc c'est vraiment dans l'idée de POC. Hein. Le gros défaut de Vital et Moira, c'est que ce sont pas des personnages qui burst terriblement. Tu auras du mal à burst une Vital avec une Fatale ou une hache à longue portée avec un Vital. Quoi. Tu vas lui mettre un peu de dégâts, allez 10, 20, 30 de dégâts. Mais tu pourras pas lui mettre, tu vas pas lui mettre 200, donc je trouve que ça synergise pas trop avec Ana, ou alors il faut vraiment que la Ana
ça soit quelqu'un que tu connais ou voilà, et que tu sais que c'est une nana très agressive et que ça va marcher. Parce que si on se retrouve, bah CF, la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours avec Chiwo, ou si on se retrouve avec un Vital avec 1000 de DPS au bout de 10 minutes et une nana à 1200, ah, ça veut dire que vous comptez énormément sur vos DPS et vos tanks. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez compter que sur 3 persos. Et voilà, moi je considère qu'il faut qu'il y ait au moins 4 personnages qui tapent. Et donc, si tu joues avec une Ana et que tu veux jouer Vital, faut que tu t'assures que la Ana, c'est plutôt une Ana agressive plutôt qu'une Ana passive. Voilà. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu en dessous. Moira, c'est pire que Vital, je pense. Voilà. Et enfin, Hilari. Bon, Hilari, Yana, ça synergise ensemble, hein, même si en Overwatch League, on a plutôt vu Hilari papiste. Mais Hilari, Ana, ça peut tout à fait le faire, avec une Hilari très agressive qui pose son pylône juste en île d'appoint, voilà, et qui passe son temps à voilà, 70, 80, 90%, ça va dépendre des situations, qui va passer son temps à tirer, quoi. Voilà, donc voili-voilou. Ana, il n'y a pas trop de soucis, hein, tout synergise avec. Donc voili-voilou. Voili-voilou pour Ana. On passe au personnage suivant. Ce n'est autre que Baptiste. Baptiste qui passe en premier. Et on va refaire le Schmilblick. Même si Baptiste, Ana, on va mettre ça en A. Voilà, comme ça c'est déjà fait. Alors peut-être qu'à un moment on refera des doublons, mais c'est pas grave. Baptiste, Ana, bon, comme j'ai dit précédent, ça peut passer. Baptiste, Brigitte. Bon, pourquoi pas. Là encore, on est sur un main healer avec un support. C'est juste que là, on est main healer, mais on est sur deux main healers qui ont tellement un kit de sorts et des sorts très puissants comme l'Immortality Field, le Steep et le Nano et l'Anti-Heal qui fait que ça peut passer. Brigitte Baptiste, ça peut passer, tout à fait. Tu peux le jouer. On passe ensuite à, par ordre alphabétique, ça devait être Lucio, non, je sais pas, je sais plus. Lucio Baptiste, très très bon. Bah, de toute façon, Lucio et Brigitte se ressemblent dans leur... alors pas du tout dans leur façon de jouer, parce que Lucio c'est plutôt agressif et Brigitte c'est plutôt défensif, en tout cas pour les joueurs d'Overwatch League. Mais on peut jouer les deux un peu de la même façon. Donc ça synergise bien évidemment avec les main healers. Hein, ces deux-là synergisent tous avec tous les main healers du jeu. Donc voilà. Donc ça marche. Kiriko Baptiste, tout à fait possible, dans la même physionomie que la game avec Ana. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes si c'est un Baptiste qui heal quand même pas mal. Et si, parce qu'il y a des Baptistes malheureusement qui font majoritairement que taper. Si c'est des Baptistes qui. Si c'est un Baptiste normal qui soigne en priorité et qui DPS ensuite, et bah Kiriko, tout à fait. Hein, tu la joues de la même façon, en semi-flanqueux, en heal de soutien secondaire. Voilà. Ça fera tout à fait le café. On passe ensuite à Mercy. Mercy avec Baptiste. Bah pourquoi pas, c'est juste que c'est bizarre parce que Mercy est en l'air. Donc tu vas avoir du mal. Donc j'aurais tendance à mettre Mercy un petit peu en dessous. Tu risques d'avoir du mal à la soigner en l'air. Tu risques également de soigner difficilement les personnes. Parce que s'il y a une Mercy, il y a peut-être une Echo et une Pharah. Et avec Baptiste, Echo, Pharah, c'est pas facile. Parce que votre heal, vous aurez du mal à l'appliquer. Alors, vous pouvez quand même le sortir si vous êtes vraiment confiant, puisque si Echo et Pharah jouent près des murs parce qu'elles jouent bien, et ben vous pouvez lancer votre clic gauche contre un mur et ça va soigner la Pharah et la Echo. Mais en théorie, c'est pas censé être très très bon. On jouera plutôt avec des persos à verticalité, Ana. Ensuite, Moira. Moira Baptiste, c'est peut-être un peu moins pire qu'avec Ana, mais c'est un peu pareil, c'est pas forcément folichon, folichon. Il faut vraiment que la Moira fasse de l'agressivité, de l'agressivité, de l'agressivité. Pas qu'elle passe son temps à soigner parce qu'il y aura déjà Baptiste qui le fera. Baptiste Vital. Bah, Baptiste Vital, à ce moment-là, on va inverser les rôles. C'est-à-dire que c'est plus, si on fait ça, on va mettre Baptiste Vital, on va faire comme ça. Ça veut dire que là, Vital devient le healbot et Baptiste devient le DPS secondaire. Donc là, c'est tout à fait possible, mais il va falloir que vous changiez d'attitude avec Baptiste. Si vous êtes avec un Vital et que vous vous rendez compte que le Vital, vous êtes Vital et vous jouez avec un Baptiste, vous vous rendez compte que le Baptiste il est là pour soigner, bah, il faut qu'avec votre Vital, vous soyez, vous lui dites, à mon avis, il faut swap, hein, mais vous lui dites, bon, bah, je vais essayer de, laisse-moi soigner et toi, essaye d'un peu TPS. Bon là, s'il n'est pas habitué à ça, il va pas y arriver, donc autant changer de pick. Parce que si d'avoir un Baptiste qui fait que soigner et qui finit à 1500 DPS et un Vital qui finit à 300 DPS, ça sera un peu à chier. Donc je considère que c'est pas forcément un super bon combo.
On passe à Zenyatu. Zenyatu Baptiste, bah, ça synergise très très bien. On est sur un très très bon support DPS et un très bon main healer. Donc ça synergise très très bien. C'est juste que faut un bon Zenyatu, quoi. C'est la question. Les bons Zenyatu, est-ce que vous en voyez souvent? Moi, pas beaucoup. Et enfin, Hilari. Bah, Hilari Baptiste, bah, c'est carrément en premier Hilari. Hein, parce que c'est. De toute façon, dans l'ordre, ça serait plutôt un truc comme ça. Dans l'ordre, ça serait plutôt un truc comme ça, je pense. Voilà. Si on devait faire Baptiste Hilary, Baptiste Lucio, Baptiste Kiriko, synergie très 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 bien. J'ai pas fait la même chose pour Ana, j'en suis désolé, on va pas recommencer la vidéo quand même. Mais voilà. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, le classement. Hilary synergise très très bien avec Baptiste. Si vous regardez les matchs d'Overwatch League que j'ai casté il y a quelques semaines, bon, vous savez très bien pourquoi. Parce que les deux personnages peuvent DPS. Et vraiment, en Overwatch League, on va chercher que du DPS. On est sur des joueurs qui sont bien positionnés. On va les burst et on sait exactement où ils sont. Voilà. Et puis alors après. Non. Alors par contre, dans une game pour nous, là, nous les débilos, faut quand même que tu regardes si c'est une Hilary qui a tendance à une Hilary. Enfin, si t'es Hilary et que t'es avec un Baptiste, tu vas passer ton temps à DPS. Il est censé être au courant quand même. Il est quand même censé au courant que Hilary c'est quasiment que du DPS. Donc je pense que ça devrait aller. Mais faut quand même surveiller un petit peu si le Baptiste soigne quand même. Hein. Voilà. On est parti, on passe au troisième personnage. Par ordre alphabétique, j'aurais peut-être dû lancer Overwatch parce que je risque de m'y perdre. Le troisième personnage par ordre alphabétique, attendez, je vais vous le sortir. Hop. C'est Brigitte, bien sûr, c'est un B. Brigitte. Donc Brigitte. Brigitte, Ana et Brigitte Kiriko, on les a déjà. On les a déjà. Brigitte, Ana et Brigitte Baptiste, on les a déjà fait. Merde, j'ai bougé mon truc, c'est pas terrible. Non, c'est bon. On les a déjà fait, ça synergise avec, parce que bien évidemment, c'est un support. Brigitte, merci. Aïe. C'est pas folichon, parce qu'il va manquer très clairement de heal. Alors vous me direz, oui, mais comme tu l'as dit, certaines hanches font que du heal. Bah oui, mais le problème c'est que il faut que ça soit une compo relativement paquée, parce qu'il faut que Ange ait la vision sur toutes les personnes pour pouvoir les soigner, sans la mettre trop en danger, etc. etc. Ça synergise pas trop avec une Brigitte. Voilà, j'aurais tendance à dire ça synergise pas trop avec une Brigitte, donc faites attention, mais vous pouvez essayer de le faire, tout à fait. On passe à Kiriko. Kiriko Brigitte. Kiriko Brigitte, il y aura peut-être un petit peu moins de soins. Ça dépend en fait. Ça dépend. Si, de toute façon, Brigitte, ça se joue plutôt avec des compos paquets qui ont tendance à jouer ensemble. Donc si vous avez Kiriko Brigitte, vous aurez moins de burst heal, moins de Léo Fouda, c'est sympa hein, comme mécanique de heal, mais on le ressent pour tous ceux qui ont joué Kiriko beaucoup et qui savent jouer Baptiste et Ana. On ressent quand même un petit décalage de quelques centièmes de seconde, non dixièmes de seconde, entre le fait de pocket quelqu'un pour le soigner avec Kiriko que de le faire avec les autres. C'est-à-dire que Kiriko, si t'es au Fouda, tu les lances à 10 mètres de la personne, ils vont mettre du temps à arriver. Alors que Baptiste, le tir est relativement rapide. Et puis Ana, il est instantané si tu fais un snipe clic gauche instantanément. Donc Kiriko, ça se ressent que ça heal peut-être un peu moins. Même si une Kiriko qui va passer sa vie à heal peut passer. Donc Brigitte, Kiriko, faut que tu surveilles. Faut que si tu veux jouer Brigitte avec Kiriko, c'est-à-dire qu'il y a une Brigitte et toi tu prends Kiriko, il faut absolument, absolument que tu vérifies qu'avec ta Kiriko tu sois un healbot. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir jouer comme j'ai dit que tu jouais avec une Ana et un Baptiste. Tu vas devoir jouer beaucoup plus défensif. Tu vas pas suivre le flanqueur, tu vas pas TP sur le flanqueur. Le flanqueur il se débrouillera lui-même et tu vas heal ton pack, c'est-à-dire tu vas heal, je sais pas moi. Ta hache, ton Cassidy, ta Mei, voilà. Donc tu vas rester avec le gros du pack. Tu vas transformer ta Kiriko support que tu devais jouer avec Ana et Baptiste. Tu vas transformer ta Kiriko en healbot. Voilà. Moira Brigitte. Bon, Moira Brigitte, pourquoi pas. C'est juste que c'est assez bizarre, mais pourquoi pas. Ana Brigitte, ça peut passer. Dans le sens où, si Brigitte, elle est derrière son Ramattra ou derrière sa Junker Queen et derrière sa. À côté de son Reaper, etc. Et que vous jouez une compo soudée comme ça. Moira Brigitte, Reaper, Mei, Ramattra. Bon, ça peut passer. Juste, en théorie, vous feriez mieux de jouer Lucio, quoi. Mais si la personne a envie de jouer Brigitte, elle a envie de jouer Brigitte, mais.
Mais parce que Brigitte c'est plus défensif que Lucio. Mais voilà, ça peut passer. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas jouer une Moira avec une Brigue. Vital Brigitte. Assez étonnant, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu pourras la poker, tu pourras la ramener si elle est en difficulté. Et ton but c'est vraiment d'être un hitbot, hein, donc de beaucoup soigner, de taper un petit peu. Alors quand je dis hitbot, hein, paniquez pas si vous mettez quelques dégâts et que vous... En fait je préfère dire aux gens qui regardent cette vidéo, qui débutent, de vraiment comprendre qu'il faut qu'ils se dédicacent au heal plutôt qu'ils essaient de faire les deux. Mais si vous arrivez à faire les deux, faites les deux, hein. De toute façon on le sait très bien, Overwatching, Baptiste et Hillary, ils font les deux, hein. Donc c'est à vous de voir si vous avez le level pour faire les deux. Je suppose que toutes les personnes qui regardent cette vidéo savent pas faire les deux. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Hillary Brigitte. Je mets ça un petit peu en dessous. Pourquoi je mets ça un petit peu en dessous? Alors, elles ont un point commun, c'est qu'elles vont fight. Elles sont à peu près au même positionnement dans le groupe, en fait. C'est-à-dire qu'Hillary, c'est pas un sniper qui se met à 30 km, comme Anna. Mais pourquoi ça synergise pas trop ensemble? Ah, il faut vraiment que la Brigitte elle arrive à maintenir son passif en permanence pour pouvoir tenir le heal. Parce que je trouve qu'Hillary, moi, c'est un main healer, mais c'est un main healer compliqué à jouer. C'est un main healer qui est jouable avec des gens qui sont intelligents. C'est ça qui est compliqué. Donc j'aurais tendance à la mettre un petit peu en dessous, mais pas non plus à des kilomètres en dessous. Mais Hillary Brigitte, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, sur le papier, moi, j'aime pas trop. Hein. Donc à vous de voir, testez. Vous avez une Brigitte, vous avez envie de jouer Hillary. Vous dites, ah, j'ai envie de jouer ça parce que ça fait énormément de dégâts. Mais voilà, ça fait un peu deux supports ensemble, quoi. Est-ce que deux supports ensemble, c'est mauvais? Non, mais c'est juste plus dur à jouer pour vos alliés, je pense. Lucio Brigitte, bon, voilà, là c'est impossible. Je vous déconseille de faire ça. Et Brigitte Zenyatta, je déconseille aussi. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais en 1903, en Overwatch League, il y avait des compos Lucio Zenyatta ou... voilà. Oui, mais c'est de l'Overwatch League. Ne demandez pas ça à des bons silver de jouer Lucio Zenyatta. Ça arrive de temps en temps de voir ça, et à chaque fois j'hallucine, je me demande comment les mecs espèrent pouvoir gagner avec un truc pareil. Mais voilà, donc Lucio Brigitte ou Zenyatta Brigitte, c'est que le problème, c'est que pour moi, c'est trois supports qui se parlent entre eux. Pareil avec Mercy, c'est des supports qui se parlent entre eux, et il n'y a pas de main healer là-dedans. Donc c'est pas la panacée. Mais je sais que Lucio peut soigner beaucoup, mais s'il passe son temps à être en heal à côté de ses 5 coéquipiers, il va heal beaucoup. Mais ça sera pas du heal très actif comme le heal d'un Vital qui peut remonter d'un seul coup une barre de vie qui vient de descendre, paf, il lui remonte instantanément sa barre de vie. Donc voilà, j'aurais tendance à conseiller de pas jouer ces persos avec Brigitte. Voilà. On passe au personnage suivant, qui n'est autre que... Après Brigitte, ça doit être Kiriko. Non, c'est Hillary. Hillary, mais c'est juste qu'elle était dernière dans la tier list, c'est normal. Donc Hillary. Hillary Lucio. Peut-être qu'il va manquer un peu de soutien, ça dépend. Voilà, est-ce que je vous conseille ce combo-là? Pas forcément. De toute façon, c'est pas Lucio en premier, mais on va le laisser là. C'est Lucio, bien évidemment, Anna. Hillary, Anna, ça passe. Hillary Baptiste, ça passe. Et on a fait Hillary, après on a fait Brigitte. C'est pas folichon. Je crois qu'on avait mis ça, hein. C'était pas dingue, quoi. Ça peut passer, mais c'est pas dingue. Je sais plus si je l'avais mis là ou là. Enfin bref, ça synergise pas trop avec Lucio et Brigitte, parce que je trouve que malheureusement, il risque de manquer de heal dans beaucoup de games. Zenyatta Hillary, c'est nul. C'est pas folichon, je pense. Hillary, merci. Alors ça, ça a été joué et c'était fort au début. Les gens qui font ça, c'est ils jouent merci et ils jouent merci en healbot. Et quand il n'y a rien à soigner, ils boostent Hillary carrément. Au lieu de booster un Cassidy, etc. Donc c'est rigolo, mais je sais pas si c'est vraiment... Encore d'actu, donc je vais le mettre en B. Hillary Vital, ça synergise très très bien ensemble. Hillary Kiriko, il faut que Kiriko soit plutôt un healbot. Hillary Moira, il faut plutôt que Moira soit un healbot. Donc voilà, je dirais que c'est à peu près ça. Par contre, Zenyatta Hillary, je vais le mettre là. Allez, je pense que tout synergise avec Hillary, parce qu'Hillary c'est très fort, mais vous inquiétez pas, elle va se bouffer un nerf dans pas longtemps au niveau de son DPS.
c'est certain. Et Kiriko, je pense que ça sera au niveau de sa survivabilité, la pauvre, qu'elle va prendre très très cher. Donc là, on est passé en revue, on va essayer d'accélérer pour pas que la vidéo soit trop longue. Le perso suivant, c'est Kiriko. Alors, Kiriko, Anna, c'est tout à fait possible. Kiriko, Baptiste, c'est tout à fait possible. Kiriko, Lucio, c'est très fort. Kiriko, Zenyatta, c'est B. Même si Kiriko peut jouer un main healer pur, c'est B. C'est un petit peu en dessous quand même. C'est faisable, hein, mais c'est un petit peu en dessous. Hilary, Kiriko, c'est tout à fait possible, mais il faut que Kiriko soigne beaucoup. Donc là, il faut vérifier que c'est bien une Kiriko qui soigne. Kiriko, Ange, pourquoi pas, mais c'est peut-être un petit peu en dessous. Kiriko Brigitte, c'est pourquoi pas, mais c'est un petit peu en dessous. Kiriko Vital, ça passe très très bien. Kiriko Moira, c'est peut-être un... on va faire ça alors. Hein. Voilà, je pense que Kiriko, elle peut être jouée avec ses persos, mais elle synergise beaucoup plus. Le meilleur combo, c'est sans doute Kiriko Lucio. Kiriko Bap, Lucio, Anna. Vital, c'est très bien aussi. Hein. Vital Kiriko, c'est très bien. Si tu veux jouer ta Kiriko agressive, Vital, t'es tranquille. Hein. Il va vraiment faire le taf au niveau du soin. Kiriko Lucio, c'est vraiment très différent. Hein. On rappelle, là tu joues support avec lui. Là, tu joues support avec lui. Tu joues support avec elle. Là, tu joues healer avec Kiriko. Hein. Et là, tu joues healer avec Lucio. Donc, il faut savoir s'adapter. Mais Kiriko, c'est l'énorme avantage. C'est pour ça que c'est mon main. 158 heures sur Overwatch 2 sur un an. C'est pas non plus énorme, mais c'est le perso que j'ai le plus joué d'Overwatch 2. Et en fait, je trouve que c'est le perso qui passe partout. En fait, Kiriko, elle passe dans toutes les comps, tout le temps. Donc, en fait, c'est fort. Ouais, bien évidemment, tu auras peut-être des pics de puissance de personnages qui vont mieux synergiser parce que machin. Mais Kiriko, ça passe à peu près partout. Et c'est son énorme avantage. Là où Moira ne passe pas absolument partout. Baptiste passe malheureusement pas absolument partout parce qu'il passe pas avec les tanks. Diver, il a du mal à les suivre et mal à les soigner. Anna, elle passe à peu près partout, mais à condition de vraiment très 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 bien la jouer. Voilà, donc Kiriko, c'est vraiment le heal qu'il faut que vous sachiez jouer de toute façon par excellence, parce que c'est le healer flex le plus fort. On passe au personnage suivant. Ce n'est autre que Vital. Oui, parce que c'est Lifeweaver en anglais. D'accord, je comprends. Donc Lifeweaver, on a dit Lifeweaver avec Baptiste, ça passe. Lifeweaver avec Anna, ça passe, mais il faut vraiment que vous les jouiez tous les deux très agressifs. Hein. Mais donc voilà, donc moi j'aurais tendance à les mettre un peu en dessous, juste pour vous montrer pourquoi. Vital, Kiriko, ça synergise très très bien ensemble, c'est sans doute un des meilleurs combos. Vital, Hilary, c'est également très très bon. Vital, Lucio, ça passe. Vital, merci, ça passe. Vital Zenyatta, ça passe très très bien. Vous pouvez vraiment rendre votre Zenyatta très safe. Donc c'est cool. Vital Brigitte, pourquoi pas. Vital Moira, non. Vital Moira, je dirais que c'est peut-être le pire de tous. Voilà. Pourquoi? Parce que lui, c'est un très très bon main healer. Lui, ça, c'est un très très bon support. C'est un très très bon support. 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 Ça, c'est deux main healers qui peuvent être joués support. Donc, c'est pas si mauvais. Et ça, c'est un truc bizarre. De toute façon, Moira, c'est un truc bizarre. C'est juste qu'elle va avoir du mal à soigner son Vital. Si le Vital joue max range, joue assez facile. C'est-à-dire que si ton but, c'est de taper et de jamais, au grand jamais, essayer d'aider Lifeweaver, tu peux jouer Moira. Le problème, c'est que ton Lifeweaver, il est là-bas, il est loin, c'est comme Moira, vous allez me dire Moira, moi je joue Moira quand j'ai une fatale dans mon équipe, vous foutez de ma gueule, c'est trop dur en fait, hein. C'est trop chiant de devoir se retourner toutes les deux secondes pour vérifier si ta Widow elle est full life, et puis généralement la Widow elle est tellement loin qu'elle est loin du pack que tu dois soigner. Moira, c'est fort avec des compositions paquets où les joueurs ont tendance à être devant Moira, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait personne derrière, tout le monde soit devant, donc c'est pour ça que c'est pas ouf Vital avec elle. On passe au personnage suivant, qui n'est autre que Lucio des familles. Bon, on va bientôt avoir fait tout le tour, hein, parce que quand on aura fait le dernier perso, on aura déjà fait tous les trucs. Lucio, je vais le mettre là, bien sûr. Lucio Kiriko, c'est très fort. Lucio Baptiste, c'est très fort. Je vais mettre Baptiste devant Kiriko, parce que ça, c'est pour les pros, hein, l'année dernière qui jouaient Kiriko, Lucio. Mais ça marche très bien. Lucio Anna, ça marche très bien. Lucio Moira, ça marche très bien, mine de rien, puisque Lucio va accélérer le pack. Et si c'est une compo paquet, imaginons Lucio Moira, vous me le conseillez avec quoi? Voilà, Iker. Reaper Ramattra,
Reaper Ramattra et une Symmetra. Voilà, vous jouez ça, Reaper Ramattra et une Mei, ou un Cassidy, parce que Cassidy peut quand même s'approcher, il peut servir de boost de Lucio, etc. Lucio Hilary, peut-être un peu en dessous. Lucio Hilary, pourquoi en dessous? Manque de burst, enfin manque de heal dans le sens où. Ouais, c'est assez bizarre, je dirais. Lucio Zenyatta, alors il y a des gens qui jouaient ça en Overwatch League saison en Overwatch League sur Overwatch 1. Alors je suppose que s'ils jouaient ça, ils jouaient peut-être ça avec une Zarya, ce qui donnait une soupape de sécurité. Parce que si t'as pas de soupape, parce que là t'as vraiment très très peu de burst heal, t'es vraiment dépendant. C'est vrai que t'as deux ultis qui sont très très forts pour teamfight, hein, l'ulti Zenyatta et l'ulti Lucio. Mais à mon avis, c'est quand même très très difficile à jouer. On va plutôt déconseiller les gens de faire ça. Comme on va déconseiller de toute façon de jouer Lucio Brigitte. Comme on va déconseiller de jouer Lucio Mercy. Et on va conseiller de jouer Lucio Vital. C'est tout à fait possible. C'est pas incroyable. Mais je pense que voilà. Le meilleur reste Baptiste. Le deuxième reste Kiriko. Le 3, enfin Kiriko à égalité avec Anna. Voilà. Dans l'ordre avec Lucio. Personnage suivant, les petits potes et les compotes. Let's go. Alors, le personnage suivant, ce n'est autre que Mercy. Parce qu'on dit merci en anglais et on dit pas, oui, c'est vrai qu'Angie, on l'avait fait en français. Désolé, hein, on l'a fait par ordre sur le site anglais. Merci, ça synergise avec quoi avec Anna, énormément. Mais en fait, merci, ça synergise avec quel perso? C'est ça qui est difficile, c'est que c'est difficile de la caler. Baptiste, bah, c'est bizarre parce que Baptiste, ça vole ce truc. Et il aime pas les trucs qui volent. Donc compliqué. Vital, je dirais que ça va. Le problème, alors, ayant Vital actuellement en troisième main, hein, mon main c'est Kiriko, mon deuxième ça doit être, ouais. Mais perso c'est Kiriko, Moira, Vital, Baptiste, Anna. Je joue pas trop les autres supports. J'ai tendance à... de toute façon, je me retrouve jamais en me disant « Ah, voilà. » Il y a bien évidemment des fois où on va dire « Il y a une Pharah et elle aimerait bien avoir une Mercy. » Mais si j'ai une Pharah et qu'elle aimerait bien avoir une Mercy, bah, moi, je joue Vital. Et je la pocket énormément. Et donc, en fait, c'est quand même une Pharah qui a confiance, quoi. Donc, voilà. Moi, je joue pas Mercy. J'aime pas ce perso. J'aime pas le Rez. Je trouve que c'est vraiment un perso neuneux. Bon, bah, voilà. Chacun son avis. Bien évidemment, et bien évidemment, je suis libre de ne pas la jouer. Donc voilà. Donc merci, j'ai tendance à la jouer, à considérer que c'est bien avec une Anna, c'est bien avec un Vital. Pourquoi? Parce que Anna et Vital vont pouvoir la pocket si elle a besoin, et sont plutôt des très très bons main healers. Le défaut de jouer Anna, de jouer avec une Mercy quand tu joues Anna et Vital, c'est qu'il va y avoir 0 DPS. Hein. C'est que la Mercy, elle va faire 500 DPS en 10 minutes. Et si toi t'es tourné vraiment que sur le heal, etc., tu vas aussi très très peu DPS. Donc c'est la peur que j'ai là-dedans, c'est que si vous avez un DPS branquignol qui joue Junkrat et qui fait 5000 de DPS quand les mecs en face sont à 15000, tu vas perdre. Hein. CF, la vidéo de Shiro que j'ai sortie il y a quelques jours pour ceux qui en doutent. Donc j'ai peur que vous manquiez de DPS là-dessus. Donc à vous de voir. Mais c'est peut-être les deux meilleurs picks qui synergisent avec Mercy. Parce que Brigitte. Zenyatta, Hilary, pourquoi pas, c'est un peu le même genre que... Enfin, tu vas avoir du mal à la soigner avec ton rayon bizarre, là. Moira, merci. C'est pas folichon non plus. Merci, Kiriko, pourquoi pas, ça passe. Et Lucio, merci, non. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose qui synergise avec Ange, hein. J'en suis désolé pour les OTP, mais c'est vrai que... faudrait que So réponde, hein. So est un viewer GM... qui joue Mercy, et je pense qu'il sera à peu près d'accord avec moi. De toute façon, c'est difficile de la sortir actuellement, Ange, parce que tu vas te bouffer des Hilary GM qui vont te tirer dessus à longueur de temps, et ça va pas être facile. Mais voilà. Donc Mercy, merci. Vous pouvez la sortir, mais voilà, ces trois pics-là, je les vois bien avec, les autres, pas trop, quoi. Voilà. Alors ça veut pas dire que... Attention, hein, ma vidéo ne veut pas dire que vous avez perdu 100% du temps. Et non, vous pourrez toujours avoir l'exception qui confirme la règle. Voilà. Donc on passe au personnage suivant, c'est Moira. Moira, qu'est-ce qui synergise avec Moira? Baptiste, c'est pas trop mal. Baptiste, c'est pas trop mal. Voilà. Si c'est une Moira Baello qui fait que DPS, ça sera pas trop mal.
Zenyatu, bah pas trop, parce que Moira a tendance à, comme on l'a dit, d'être devant, donc elle va avoir du mal à soigner Zenyatu qui reste très très loin derrière. Moira Anna. Moira Anna, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui synergise avec Moira? C'est pour ça que vous la voyez jamais à Willow. C'est déjà ça synergise. Ça synergise pas avec grand-chose. Moira Lucio, pourquoi pas? Moira Vital, pourquoi pas? Mais t'auras du mal à tenir ton Vital s'il reste loin derrière. Moira Merci, alors non. Moira Brigitte, pourquoi pas? Moira Hilary, pourquoi pas? Moira Kiriko, pourquoi pas? En fait, c'est bizarre. Hein. C'est en fait pourquoi ces personnages-là, oui, tu peux les jouer, mais c'est sûr que tu vas avoir du mal à compter sur ta Moira, quoi. C'est-à-dire que Moira va pas se retourner. En fait, les Moira, c'est chiant, on peut le faire, hein, mais il faut vraiment qu'on choisisse notre. Quand moi je joue Moira, c'est vraiment que ma compo va avec. Hein. C'est fini le fait de jouer Moira tout le temps et d'essayer de l'imposer. En fait, c'est trop chiant de se retourner et d'avoir un mec à 20 mètres derrière et t'envoie une orbe de soin parce que t'as la flemme de. Enfin, tu peux pas la soigner parce que t'as pas la distance sur le heal. T'envoies une orbe de soin pour essayer de soigner une Widow qui a pris des dégâts ou une Ana qui a pris des dégâts. Voilà. Moira, il faut que ça soit paquet. Donc, les compos paquet, bah, c'est Baptiste, Lucio, Brigitte, Hilary, Kiriko. Et Kiriko, enfin, c'est relativement paquet. Voilà. Donc, Moira, c'est de la merde pour soigner les trucs qui sont en l'air. Donc, voilà. Enfin, c'est pas folichon quoi. Donc, je dirais que Moira synergise ouais, avec Baptiste, Lucio. Peut-être Lucio en premier. Peut-être en premier. Kiriko pas très loin derrière. Baptiste, c'est pas mal. Hein. Faut pas exagérer. Baptiste, c'est pas un perso qui. C'est pas un perso qui reste à 30 km pour il. Il peut aussi s'approcher. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Mais il y a pas. On sent que c'est direct un heal bah, qu'on a tendance à considérer. En fait, c'est difficile de la caler avec d'autres trucs. Donc, forcément, c'est pas un perso broken. Voilà. Les persos les plus polyvalents sont les persos les plus polyvalents du jeu sont Kiriko, Baptiste et Ana. Baptiste c'est pas polyvalent parce que il peut pas heal les tanks, donc je dirais que c'est vraiment Kiriko le heal le plus polyvalent du jeu, enfin le heal support le plus polyvalent du jeu qui synergise avec tout. Et après c'est sans doute Ana. Mais par contre faut être bon avec Ana quoi. Et c'est plus facile je pense d'être bon avec. Kiriko, on passe à Zenyatu. Zenyatu, merci, c'est dégueulasse. Zenyatu, Ana, c'est très bien. Zenyatu, Kiriko, ça va. Zenyatu, Vital, ça va. Zenyatu, Baptiste, ça va. Vu que c'est le dernier, on l'a forcément déjà fait. Zenyatta, Hilary, ça peut passer. Zenyatta, Brigitte, c'est pas ouf. Zenyatta, Lucio, c'est pas ouf. Zenyatta, Moira, c'est pas folichon non plus. Voilà. Voilà. Son Zenyatu actuellement, je trouve que c'est pas folichon de base. Hein. Donc voilà. Voilà, et bah j'espère avoir pu répondre à ta question de qu'est-ce qu'on joue avec chaque pick, comment je m'adapte. Voilà, moi j'ai tendance à vous dire Kiriko un jour, Kiriko toujours. Kiriko ça passe quasiment partout. Ana ça passe partout, mais c'est quand même le skill cap légèrement plus élevé. Et si vous êtes plutôt débutant en support, essayez de sortir votre Vital dès que vous êtes avec un support. Donc, ce qu'on va considérer Lucio, Brigitte, Lucio, Brigitte, Merci, enfin Ange, Zenyatu, là vous sortez un Vital, paf, direct. Parce que ça synergise très très bien avec, il va rattraper le fait que eux soient pas forcément des heal machines. Et c'est quand même relativement beaucoup plus facile de jouer Vital que de jouer Ange. Que de jouer Ana, pardon, dans le fait que bah, Baptiste, Vital, t'as pas trop besoin de viser pour soigner. Donc c'est vraiment la grosse facilité. Donc voilà, mais moi, Kiriko, c'est quasiment partout, tout le temps. Il arrive partout, tout le temps. Compliqué, il faut que tu aies un main healer avec toi plutôt qu'un support, je trouve. Donc si vous avez un Baptiste, une Ana, un Vital, vous pouvez partir Hilary. Par contre, vous allez devoir taper, taper, taper pour rendre efficient votre truc. Je rappelle que le mieux reste dans une game d'avoir un personnage qui tape quand même pas mal en healer. Enfin, dans les deux supports, il faut qu'il y en ait un qui tape beaucoup. Il vaut mieux pas que les deux tapent et fassent que ça. Parce que s'ils font que ça veut dire qu'ils soignent moins efficacement. Enfin bref, je vous conseille la vidéo sortie il y a 2 jours. Enfin non, il y a 4-5 jours. Qui est le rôle de support. Et qui était une analyse GamePro d'une game de Shiwo, qui est le joueur support des Atlanta Reign, qui fait une ranked. Et vous verrez, si vous avez regardé cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis tout ça.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve. Voilà, ça a quand même été long. Hein. Je suis désolé, j'essaie de faire des vidéos courtes, j'ai essayé vraiment d'aller très très vite. Peut-être que vous voulez une version sur les tanks, une version sur les DPS, peut-être. Si vous voulez voir, vous pourrez me poser, peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si la vidéo vous a plu, si la vidéo a pu vous aider. Et puis on se retrouve, nous, plus tard.